artiste. Le travail de ses mains, Patrick Vanni. Voilà. Alors je le laisse se présenter et depuis quand il a commencé ses œuvres magnifiques. Oui, je m'appelle Patrick Vanni, ça fera 5 ans que je travaille à la Calebasse. J'ai commencé par un stage d'artisanat d'art au Saint-Esprit, où j'ai appris à travailler le bambou, la calebasse et le bois. Et puis, bon, en fin de compte, j'ai opté pour la calebasse. Alors pourquoi la calebasse spécialement? Parce qu'elle me permettait d'avoir différentes diversités au niveau du travail. Pour cela, bon, on peut travailler au niveau de la calebasse, on peut travailler les lampes, les porte-monnaies, des barrettes, des porte-clés par rapport au bambou. Donc c'est pourquoi j'ai opté pour la calebasse. D'accord. Et ensuite, si on veut, de moi-même, je me suis développé parce qu'au stage, je n'ai pas appris grand-chose. Mm-hmm. Et c'est après, c'est sur le tas que je me suis formé, puis après, bon, les idées sont venues. Et puis, bon, maintenant, ça va, quoi. Ouais. Donc, on peut dire que Patrick Vanni est un autodidacte. Oui, on peut dire ça, oui. Voilà. Alors maintenant, tu vas me montrer ce que tu fais déjà. On commence par, déjà par le mur, là. Oui. Hein? Oui, alors là, c'est une calebasse murale, pardon. Alors ça, c'est de décoration qu'on peut accrocher au mur. Ouais. Et là, ce sont des motifs des cocotiers que j'ai gravé sous une forme différente qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et la gravure se fait comment? C'est avec le tessant de bouteille ou bien... Non, c'est avec une fraiseuse, un appareil fraiseuse électrique, oui. Ah, okay. Et là, il suffit de changer la mèche. Il y a différentes mèches. En ouais, fonction de ce que l'on veut faire, quoi. D'accord. Ok. Ensuite, on continue par quoi? Alors là, tu as les porte-monnaies qui sont assez originales. Alors là, c'est une variété de calebasse. Hein. Au départ, la calebasse, elle est comme ça. Elle est petite, mais elle reste petite. Une calebasse qui reste petite et qui est très rare à trouver en Martinique. On trouve en quelle région, à peu près? Bon, il y en a au Vauclin, dans la région du Nord aussi, vers Sainte-Marie, Morne-des-Esses. Mmh. Mais on en trouve quand même, hein, mais il faut vraiment aller chercher. Donc le porte-monnaie se présente ici, celui-là il est plat, il y a du tissu à l'intérieur. Mmh. Donc là, la sécurité c'est à ce niveau-là, une fois que c'est attaché, comme le mien là, ça va. Mmh. Et là, tu as aussi un autre modèle, par contre, coupé différemment. Ah ok, il s'ouvre, voilà, par le haut. Il s'ouvre par le haut. Ah, okay. Et là, il y a aussi du bacquois à l'intérieur. Ouais. Et le système de fermeture est aussi efficace aussi que l'autre. Il suffit de fermer, de tirer dessus. Ah, voilà. Okay. Non seulement alors ça sert de pendentif, ouais, de une espèce de comme un bijou. Oui. Et puis en même temps, ça sert de porte-monnaie. De porte-monnaie. Pour ce mois, dans toutes mes créations, je lis l'utile à l'agréable. À l'agréable. C'est bien. Alors on arrive aux lampes. Oui. Alors la passion des lampes, t'es venue de comment? Ça fait quand même longtemps. Bon, c'est une idée qui m'est venue comme ça, quoi. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une lampe à pétrole? Mm-hmm. Donc j'ai bien mûri le projet. Bon, et puis après des heures de travail, même des semaines de réflexion, bon, j'ai pu en faire une. Ouais. Et c'est une lampe aussi qui s'allume très bien. Elle est utilitaire. Donc décorative et utilitaire. Et donc elle appelle le bon vieux temps. Oui. Et en plus, on peut mettre le pétrole à l'intérieur, ça ne va pas couler. L'intérieur est traité. Hein. D'accord. Tu vas nous faire une démonstration tout à l'heure alors? Oui, ok, si tu veux. Alors ici, là, c'est les... Là, ce sont des coffrets aussi. Ouais. Les coffrets qui sont toujours faits avec les petites calebasses. Bon, toujours le même procédé, le bacquois. Et là, on peut mettre ce que l'on veut à l'intérieur. Hein. Bon, la personne met... ses affaires personnelles, mm-hmm, ça peut même être des bonbons, sa clé, bon. Ouais. C'est la multifonction, quoi. C'est une belle idée, hein. Ouais. Pour la clé aussi, c'est génial parce que ouais, personne n'y va la chercher. Voilà. Et les porte-clés aussi. Oui. Puis j'ai des barrettes aussi. Porte-clés, barrettes. Ouais. Les barrettes qui sont assez solides, quoi. Mm-hmm. Et sans compter les multitudes d'idées que tu as encore et que, bon, qu'il ne faut pas dévoiler, hein. Oui, comme les porte-clés sous forme de ratière, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à les faire. Ouais. Et par contre, ça a un très grand succès en ce moment. Jusqu'à présent, les gens m'en demandent beaucoup. Mmh. Et là aussi, tu as les broches, ouais, les petites ratières sous forme de broches, mmh, qui s'ouvrent aussi. Voilà. Mais en ce moment, qui se vend très très bien.
Bois chez Portecoin. Oui, mais là c'est du bois. Hein. Parce que la mise à part la calebasse, j'ai encore d'autres projets de création, mais avec d'autres matières. Là c'est également une nappe. Avec l'étoile, tu es obligé d'aller à la pêche pour. Oui, si on veut, mais comme j'ai des amis marécheurs, ils m'en procurent aussi. Donc c'est un peu de tout. Bon, je bouquine, je fais des recherches. Dans les bibliothèques, il y a aussi des motifs orientaux aussi, occidentaux. Mais donc à partir de tout ça, je crée, si tu veux, même des fois, je crée un puzzle à partir de plusieurs motifs. Là, c'est ça ressemble un peu au damier, celui-là. Voilà, exactement. Mais je fais pas mal de recherches pour au niveau des motifs. Ça va bien. Hein. Surtout ces temps-ci. Voilà. Et voilà. Donc une fois allumé, bon, c'est comme une lampe normale. Hein. Le contenant ne brûle pas, ça n'a aucun contact avec l'euro. Surtout s'assurer que c'est bien collé autour, hein, là, au niveau de que ce soit bien étanche. Donc bien étanche à l'intérieur, mais bien étanche au niveau aussi de la tête. Et là, une fois là, bon, je peux toucher, bon, il n'y a pas de problème. Et la lampe, et le caisson même, il ne chauffe pas. Non, c'est un avantage déjà. Oui. Donc ça va pas brûler non plus, c'est comme une lampe à pétrole normale. Il suffit de régler la mèche, quoi. Mais le soir, c'est un très bel effet. Lorsque ça allumé, c'est très très bel effet. De Patrick Vallée. De Patrick Vallée, oui. Une bonne amie à Madame Luzon. C'est une demoiselle Saint-Val. Oui. Nous étions voisines là. Très bien. On se connaît très bien. Ah d'accord. Eh ben, c'est bien. Eh ben, elle va avoir le plaisir de vous voir. Là. Oui, oui. C'est Clotine Vallée. On l'appelait Titine. Titine. Voilà. Ah d'accord. Ok. Merci bien.